Genesis chapter 33. Verset 18 jusqu'au 19e. Verse 18 until verse 19. Il est écrit. Is written. À son séjour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il campa devant la ville. Then Jacob came safely to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, where he came from Padan Aram, and he pitched his tent before the city. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 kesita. And he bought the parcel of land which he had pitched his tent from the children of Amor, Shechem's father, for 100 pieces of silver. Jérémie chapitre 39 verset 7, Virgile verset 15. Jérémie chapitre 32 verset 7. Jeremiah 32 verset 7. Voici Anamaël, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anatote, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Behold, Anamaël, the son of Shimei, your uncle, will come to you saying, buy my field which is in Anatote, for the right of redemption is yours to buy. Verset 14. Verset 15. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et de vignes dans ce pays. For that says the Lord God of hosts, God of Israel, houses and fields and vineyards shall be possessed again in this land. Première Corinthiens chapitre 7. We're in the book of 1 Corinthians chapter 7. Nous lisons le verset 23. Reading verse 23. En Corinthiens chapitre 7, le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés en un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. You were bought at a price, do not become slaves of men. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. May the Lord add meaning to the reading of His word. Et qu'il bénisse l'église de Pérou. May He bless as well the church of Pérou. Qu'il bénisse les saints qui me suivent partout dans le monde. And may He bless all the saints following us all over the world. Je suis très heureux parce que nous étions dans la présence du Seigneur. I'm happy because we were in the presence of the Lord. L'atmosphère du Saint-Esprit. The atmosphere of the Holy Spirit. Et je sais qu'aujourd'hui, and I know that today, parce que Dieu a commencé avec nous, because God began with us, il achèvera. He's going to end with us. Je ne crois pas que les malades sortiront malades. I don't think the sick will come out sick. Je ne crois pas que les possédés sortiront possédés. I don't believe that the possessed will come out possessed. Je sais que le culte d'aujourd'hui, I know that today's service, a été très bien préparé dans la présence du Seigneur. Was well prepared in the presence of the Lord. Et Dieu va se manifester. And God très, 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 très puissant. Powerfully. Même les gens qui nous suivent partout. And even for those following us all over. Des fois, je vois comme si mon téléphone n'est pas bien fonctionné. Il faut que ça soit humilié. Chris, vérifie son travail là parce qu'il le fait aussi bien. Je laisse ou quitte la caméra. L'autre est en live. Merci. Parce que j'aimerais que les gens nous suivent avec beaucoup d'attention. I want everyone to follow us very attentively. Le message d'aujourd'hui va nous aider. Today's message will help us. Et je sais que tu sortiras ce matin un autre rang. And I believe that this morning you come out another man. Là, je vous garantis. And this is a guarantee. Vous sortirez aujourd'hui rempli de la présence de Dieu. You're going to come out filled with the presence of the Lord. Pour affronter n'importe quelle épreuve. To encounter any trials. Je ne sais pas si vous le croyez aussi. I don't know if you believe so. Frère Pierre a dit ceci. This is what Brother Paul a dit. Regardez-moi. Look at me. Ce que j'ai. What I have. Je te le donne. I give to you. Et ce matin, je vous dis, and this morning I say, regardez Christ. Look at Christ. À travers cet enseignement. Through this teaching. Ce qu'il nous a donné. And what he has given us. Is what you're going to receive.
Moi, je crois que le ministère, c'est pas seulement le parler, c'est aussi la puissance. I believe that the ministry is not only to speak, but also power. Dieu doit changer la vie des gens. God has to change people's lives. Les circonstances difficiles. Difficult circumstances. Même là où les médecins ont échoué. Even where doctors have failed. Ils ont échoué pour que Dieu reste Dieu. They have failed so that God remains God. Et je vous ai toujours dit qu'on ne peut pas parler de miracles s'il y a des situations faciles. And I always tell you that we cannot speak of miracles if situations are easy. On parle de miracles s'il y a des situations difficiles. Miracles are taking place only when difficult situations. Il y a une promesse. There's a promise. Le miracle accompagnera ceux qui ont cru. Miracles accompany those who believe. Tu as cru à la parole? Did you believe in the word? Tu as cru à la parole? Did you believe in the word? Tu as cru à la parole? Did you believe in the word? Tu n'as pas un effort à faire pour que le miracle t'accompagne. Miracle will accompany. Ça va t'accompagner parce que tu as cru à la parole. It will accompany you because you believed in the word. L'homme vit des moments difficiles durant son parcours sur la terre. Man goes through difficult times on his journey on earth. Et il y a des ennemis. And there are enemies. Les ennemis proches. Those who are nearby. Les ennemis lointains. Also those who are far off. Doute. Doubt. Peur. Fear. Inquiétude. Worries. Les difficultés. Difficulties. Que nous pouvons rencontrer sur cette terre. That we can encounter on this earth. Des déceptions. Disappointments. Des trahisons, betrayals, des incompréhensions, misunderstandings. C'est ça la part de l'homme sur cette. That is the share of mankind on earth. Cette chose, the only thing qui peut nous donner la victoire, c'est la parole. That can give us victory is the word. C'est-à-dire la parole, meaning the word, doit résoudre tout de l'homme. Has to resolve everything about the man. Je veux que le message de ce matin vous accorde la possibilité de vaincre n'importe quel combat, n'importe quelle déception, n'importe quelle attaque dans votre vie. And I want the message of this morning to give you the ability to overcome any disappointment, any battle, any attack in your life. Écoutez-moi. Listen yes. To me. Nous sommes toujours dans les salaires de Jacob. We are busy still with the wages of Jacob. Jacob rentre avec son salaire pour présenter à son père. Jacob goes back with his wages to present it before his father. Il est arrivé heureusement à Sichem. But fortunately arrived at Shechem. Aujourd'hui, and today, je ne peux pas me répéter, mais je cours vite. Today I cannot repeat myself, but I have to run. Arrivé à Sichem, reaching Shechem, il achète la portion du champ. Heureusement qu'il n'a pas acheté tout le champ, mais la portion du champ. He didn't buy all the field, but only a piece of land. Il achète la portion du champ. He buys a piece of the field. Où il avait dressé sa tente. Where he pitched his tent. C'est-à-dire Jacob. Meaning Jacob. A acheté la portion du champ. Bought a piece of the field. Où il avait dressé sa tente. Where he did pitch his tent. Il a acheté ça des fils d'Amor. He bought it from the sons of Amor. Le père de Sichem. The father of Shechem. Pour 100 pièces. For 100 pieces of money. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à cette portion de l'écriture. And I want the Lord to add meaning to this portion of the scripture. Vous ne voulez pas l'explication? Don't you want the explanation? Comment Jacob voyageait? How come Jacob, a traveler, il doit acheter la portion du champ à Sichem? Has to buy a piece of the field in Shechem. C'est ce que nous voulons étudier aujourd'hui. And this is what we want to study today. Acheter là. To buy. N'oubliez pas que je vous ai dit. And don't forget I said to you. Dieu n'utilise pas les verbes dans la Bible comme le monde. God does not use verbs in the Bible as the world do. Quand il dit à Pierre, tue et mange. When he says to Peter, kill and eat. Cela veut dire prêcher. Meaning go preach. Quand Jésus-Christ dormait, when Jesus Christ was sleeping, il y a un enseignement. There is a teaching to that. C'était la mort. It was death. C'est-à-dire dans la Bible, meaning in the Bible, pour ne pas être troublé, to not be troubled, il faut comprendre les singuliers, les pluriels, you need to understand the singulier, the plural, les verbes, the verbs, les verbes, il passait dans ces commas, because dans ces moindres détails, God hides himself in those least details. Parce que je vis dans ma Bible, because I've seen in my Bible, la forêt en train de manger les hommes. Forest eating or devouring people. Comment la forêt peut dévorer les hommes? How can the forest devour people? Si vous nous posez aujourd'hui la question, if you ask us today the question, nous allons vous dire, we are going to say to you, à
Allez dans le groupe de prière, vous allez voir comment est-ce que beaucoup de gens étaient dévorés par la forêt, parce que ça, c'est la forêt. Quand Joël a dit, when Joel said, vos fils et vos filles prophétiseront. Your sons and daughters will prophesy. Les hommes ont dit, la femme peut prêcher, la forêt les a mangés. Some said, because of that, the women can preach, the forest devoured them. Quand Dieu dit à Moïse, when God said to Moses, ôte tes sandales, remove your sandals. Les églises, and in other churches, before going in, you need to remove the sandals. Je commence par le pasteur. Being starting from the pastor. They are only devoured by the forest. Being in the Bible, on peut voir le chemin parler. We can see the way spoken. La forêt manger. And the forest devoured. Vous êtes heureux. And we are happy. Parce que Dieu vous a préservé de cette mort. God has preserved you of death. Je suis allé pour vous ramener à comprendre le verbe acheter. I went there to show to you the verb that was acheter. Because this is what we are going to study today. Si on vous pose la question, on vous a prêché quoi? If the question is being asked, what do you do? On vous a prêché Jacob acheta. They preach to us that Jacob bought. From le dimanche passé, as last Sunday, on a prêché Jacob arriva heureusement. They preach to us Jacob arriving fortunately. Then we are studying why Jacob bought. Vous êtes? Are you there? Parce que le message aujourd'hui, ça sera très simple. Voilà pourquoi je voudrais que tout le monde me suive avec beaucoup d'attention. Parce que après ce message, je vais prier pour vous. Today's message will be very simple, therefore I want everyone to follow with much attention. Afterwards, we are going to pray. Je ferai ce que Dieu m'a dit de faire aujourd'hui. I'm going to do what the Lord said to me to do. Branché parce que Dieu va dire. I just simply wanted to be connected because God is going to heal. Alors Jacob achète les chiens. Because Jacob goes and buys the sheep. Jacob achète veut dire quoi? What is Jacob buying? Je me rappelle. I remember. Je n'ai jamais vu un owner. I've not seen someone who's the owner, propriétaire, a owner of the land, venir dans sa parcelle acheter, coming to his own land or plot buying it again. Je n'ai jamais vu un propriétaire. I've not seen a landlord acheter sa propre parcelle. Buying his own field. Mais où est-ce que Jacob achète? But where is Jacob buying? C'est dans Cana. He's in Cana. Alors que Dieu a promis Cana. Yet God promised Cana. La postérité d'Abraham. To the offspring of Israël. Abraham dans Cana ne peut pas acheter. Being Abraham in Cana cannot buy. On a vu Abraham acheter. Yet we saw Abraham buying. Isaac dans Cana. Isaac in Cana. Il est le propriétaire. He's the own. Jacob dans Cana. Jacob in Cana. Il est le propriétaire. He's the landlord. Mais comment un propriétaire? Landlord achète sa propre parcelle, buying his own field or plot. Achetez-la. That's buying. Signifie quoi? What is the meaning to it? Comme je vous ai toujours dit, as I always say to you, strictement interdit de raisonner. Strictly forbidden to think. Un homme s'est trouvé dans la prison. A man was found in jail. Jérémie, prisonnier. Jeremiah, a prison. Il reçoit l'esprit du Seigneur. And he received the that says the Lord. Achète le champ. Buy a field. Comment Jérémie prisonnier? How come Jeremiah a prisoner? Il demande d'acheter le champ. Yes, God is asking him to buy a field. Où est-ce qu'il avait reçu l'argent? Where did he get the money? La réponse est claire. The answer is clear. On a vu un prisonnier Joseph. We saw a prisoner Joseph. Quand il a parlé, when he spoke, on lui a donné un champ. They gave him a field. Pour semer Ephraim, to go and sow Israel. To go and sow Manasseh. Le champ là, c'était la femme. Because the field was the woman. Mais comment toi prisonnier tu as acheté? But how come you a prisoner and still buy? Très simple. Very simple. On arrête quelqu'un. Someone was arrested. On l'amène à la croix de Golgotha. And was taken into the cross of Golgotha. Mais nous disons que ce prisonnier là à la croix. Yet we say that prisoner on the cross. Vous a acheté. God has redeemed us. Donc nous sommes l'explication d'un homme prisonnier qui a payé le prix. We are the explanation of a man, a prisoner, who paid the price. Alors Jérémie prisonnier.
prisonnier. Now Jeremiah as a prisoner. God says to him, please keep this in mind. Achète le champ. Go and buy field. Et qui va le dire? And who's going to say it to him? Le fils de son oncle. The son of his uncle. Je vais vous donner tous les moindres détails. Here I want to give all the least details. Parce que nous étions là quand Jérémie écrivait. Because we were there when Jeremiah wrote this thing. Dans l'éternité. In eternity. Là, je ne présente pas. I'm not joking, but it's true what I'm saying. Ceux qui peuvent expliquer ces choses dans les moindres détails, ce sont des témoins. Because the ones that can explain these things with least details, only the one who were there. Then Jérémie. And Jeremiah achète le champ. Goes and buys the field before. Il a acheté le champ aujourd'hui. He bought the field today. Mais Dieu lui dit. But God says to him, l'acte que tu as posé signifie. The action that you have made today signifies. 32:15. Jeremiah. L'acte qu'il a fait d'acheter le champ signifie. The act of him buying the field means. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons. Lui a acheté aujourd'hui. Well, that says the Lord God of Israel. How does the field and vineyard shall be possessed again? Tu as posé signifie. But God is saying, ask your man. On achètera encore. That the house will be possessed. Both. Qu'est-ce que vous avez déjà vu ça? Have you seen that? J'ai acheté ma parcelle ici à Cape Town. I bought my house here in Cape Town. Mais Dieu dit. But God says. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? What he has done. C'est-à-dire, on va encore acheter. Meaning the letter of it will be bought. Par cet acte-là. Meaning through that action. Dieu explique que le rachat se fera. God explains that redemption will take place. Donc si nous sommes aujourd'hui. If we are here today. Racheté, redeemed, parce que quelqu'un a payé le prix. Because someone paid the price. Parce que nous comprenons par là que we understand that quand Jacob achète, when Jacob buys, cela expliquait une pensée de rachat. That was explaining a thought of redemption. Je me pose la question. Then I ask myself a question. Jacob, propriétaire de Canaan. Jacob, a landlord in Canaan. Mais comment il doit encore acheter? But how come can he still buy? Je crois que si un garçon est né, I believe if a boy is born, il est né avec sa femme. He's born with his wife. Même si vous ne croyez pas, moi je crois. Although you don't believe, but this is how I believe. Quand la femme. Quand une fillette est née là-bas. When a girl is born, that little girl, elle n'existe pas. She does not exist. Elle n'existe pas d'elle-même. She does not exist by her own. Elle existe parce que. She exists because. Elle a un mari. She has a husband. Voilà pourquoi Frère Paul dit. Therefore, Brother Paul says, quand les femmes prient. When the women pray, let them veil themselves. Pour donner la preuve que, to show a proof, elle est soumise à son mari. She is submissive to her donc husband. Même une femme célibataire, even a single lady, elle ne dira pas que je n'ai pas un mari. She's not gonna say no, I cannot cover because I don't have a husband. You cannot exist if there's no man. Donc avant que tu existes, mean before you exist, il y avait un homme. There was a man. Quand même si tu ne vois pas un homme, although you don't see him, je le vois parce que je suis soumise à mon mari. I do cover because I'm submissive to my husband. C'est clair? Is it clear? Quand l'enfant est né, when a child is born, il est né avec sa femme. He is born with his wife. Mais c'est que Dieu fait, il fait quoi? But what does God do? Si la femme sort, if the wife goes out, comme ma petite sœur dans la famille, as my little sister in the family, je peux plus la racheter. I cannot redeem that anymore. Dieu fait quoi? But what God will do? Il prend la femme. He takes the woman. Tu es qui ici d'Africain? You are. Who are you? South African. Voit la femme à Brazzaville. And sends the woman to Brazzaville. Mais la femme qui est à Brazzaville. But the same woman there in Brazzaville. C'est ta femme. Is your wife? She's your wife. Pourquoi il a séparé? But why did he split them? Pour que quand il rachète, that when you will go, que tu payes le prix. That you may pay the price. Israël était à Canaan. Where in Canaan? Dieu a dit non. God said no. Va en Égypte. Go in Egypt. Pour qu'ils partent en Égypte, for them to go into Egypt, payer le sang and pay the blood, verser le sang, shed the blood, afin de les retourner, and then bring them back.
Nous sommes nés saints. We are born holy. Nous sommes nés justes. We are born righteous. Mais Dieu a voulu. But God wanted que nous soyons quelque part égarés. To be somewhere lost. Donc s'il n'y a pas de ténèbres, if there's no darkness, on ne comprendra pas l'importance de la lumière. We won't understand, comprehend. Donc Dieu nous a enfermés dans les ténèbres. God locked us in darkness. Pour que quand la lumière vient, so that when the light will appear, we may glorify Him. We may glorify Him. On va pas comprendre. Did you understand? Donc là, je parle comme un instructeur de l'école primaire. I'm going to speak as an instructor of the primary school. Quand tu te prosternais devant les statues à l'église catholique, when you were there bowing before statues in the Roman Church, c'était pas un péché pour toi. It was not a sin for you. Amen. Amen. Pour les autres, c'était. But for others, that's a sin. Quand tu chantais Maman Maria, when you were singing Ave Maria, c'était pas un péché. That was not sin. C'est Dieu qui t'avait envoyé. It's God who sent you. Pour qu'un jour, so that one day, il te récupère. He may come and take you back. Il te connaissait. He foreknew you. C'est-à-dire en réalité, means in reality, Jésus-Christ est venu. Jesus Christ came. Chercher René. To seek René. Mais René, but René, qui l'a créé? Who made it? C'est Jésus-Christ. Jesus Christ. Mais pour prendre René, but for him to come and take back René, il paye le prix à la croix. He pays the price on the cross. Mais René, but René is a creation. Is his creature. Do you understand? C'est pas compris. Do you understand? Jésus-Christ, pourquoi toi, Dieu? Jesus Christ, how come you died à la croix? You die on the cross. Je meurs à la croix pour racheter ma création. I'm dying on the cross to redeem my creation. Mais qui les a créés? But who created them? C'est moi. It's I. Mais pourquoi tu peux encore les? But why do you have to pay still the price? C'est pour les racheter. It's to redeem them. Parce que celui qui n'est pas racheté, c'est un esclave. Because the one who's not redeemed still an slave. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. God does not pay attention to your time of ignorance. Et quand nous étions encore dans les ténèbres, meaning when we were still in darkness, Dieu nous regardait. God was looking at us. Mais par son amour, but by His love, il nous a racheté. He redeemed us. J'explique pourquoi Jacob. I'm explaining why Jacob, propriétaire de Cana, landlord in Cana, est encore acheté Cana. Still has to buy Cana. C'est ce que Jérémie explique. And this is what Jeremiah explains. Payer le prix. To pay the price. Acheter la portion de terre. To buy the portion of land. Signifie l'œuvre de la rédemption. Signifies the work of redemption. Voilà pourquoi Abraham. Therefore Abraham. Il était propriétaire de Cana. As a landlord in Canaan. Mais il a acheté Macpela de Cana. Yet he had to buy Macpela in Canaan. C'est seulement pour vous faire comprendre que, simply to make you understand that, l'acte posé par Jacob, the action made by Jacob, cachait un enseignement. I mean, he was hiding a teaching. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Donc il a acheté, j'aime ça, la portion. He bought just a portion. De cette portion-là, and that portion, si tu es la brebis de Jacob, if you are the sheep of Jacob, you are there. Fils de Jacob, if you are the son of Jacob, you are there. La femme de Jacob, tu es là. If you are a daughter of Jacob, you are there. Maintenant, suivez ma trajet. And please follow me carefully. Pourquoi Jacob a racheté? But why Jacob redeemed? Là il a acheté. When he bought. Il n'achetait pas seulement la terre. He did not only buy the land. Il achetait le sépulcre pour Joseph. But he also bought the tomb for Joseph. Ce sont des choses que nous allons étudier. And these are the things we are going to study. Il achetait une portion pour creuser le puits que Jésus-Christ est venu rencontrer la femme samaritaine. He bought a portion to dig a well where Jesus came to meet the Samaritan woman. Il achetait la portion qui sera demain. He bought the field which will become tomorrow. Le lieu de partage de Cana. The place where the Canaan will be divided. La portion. He bought a portion of land. Qui était aussi, which was also le pâturage que je vais expliquer aujourd'hui. The patriarch which I'm going to explain. Je veux que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. Là où Jacob acheta, where Jacob bought. Il a acheté aussi le pâturage. He also bought the patriarch. C'est qu'à Somba que Sikaba même Baliak. Meaning he bought a place for the sheep. Ça c'est quelle bonne nouvelle.
Donc Jacob était prophète. Meaning Jacob was a prophet. Il savait que ici, in you here, si j'achète pas, if I don't buy, je reste seulement. And I just remain. Ça ne sera pas sécurisé. It will be secure. Mais il faut que j'achète. I have to buy. Pour que ce lieu m'appartienne pour le bon. So that this place belongs to me forever. J'ai toujours exhorté au frère. I always exhort the brother qui était païen, that were pagan, a pris la femme, and took a wife sans l'acheter. Before to buy her. Tu as un problème, mais il faut te mettre en ordre. You have a problem and you need to set yourself in order. Parce que pour se mettre dans un champ, il faut acheter. Because for you to sow in a field, you need to buy the field. Voilà pourquoi. Tu vas voir. Reason why you will see. Moi c'est là-bas là. A woman wants to get married. Les hommes envoient le message. The uncle sends the message. Avant de vous la sauter. Pourquoi non? Il n'est pas bon. Tu n'as pas sécurisé le lieu. You did not put the place in safety. Sécuriser le lieu. To secure the place. Le moindre prix. Pay the least price. L'oncle ne fera rien. And the uncle will do nothing. Et aujourd'hui je suis venu vous dire. And today I came to say. Les démons ne feront rien à votre vie. Demons can do nothing. Parce que l'homme a payé les prix. Même si la maladie vient, on va appeler la maladie aujourd'hui. We are going to remind the sickness. Je ne prie pas pour rien. I don't pray for the malade. A payé les prix. And then pay the price for malade. Je suis sécurisé. And I am in safety. You want to come out to free. Let us still not pray. Although we pray, all the debt continues. And headache continues. All the debt. I'll say headache. Was redeemed. You have no rights to remain here. I'm going to walk. With a full assurance. As someone bought me. Il y a des choses qui deviennent difficiles ou pas. Do you understand? En un mot, in a nutshell, nous voyons seulement Jacob acheter. We only saw Jacob buying. Mais plus tard, on comprendra. But later on, we do understand. C'est lui qui avait acheté. The place where he bought was not just any kind of place. Genesis 37. Genèse chapitre 37. We are back in the book of Genesis 37 this time. Papa, prenez le verset 12. Taking verse 12. Le frère de Joseph était allé à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Then his brothers went to feed their father's flock in Shechem. Vous êtes heureux. You are happy. Je dis que vous êtes heureux. I'm saying you are happy. Jacob envoie ses enfants. Jacob is taking his children or sons. If you find you meet a place called the John Willy, pass it. Jacob, pass it. Jacob, pass it. John, pass it. John, pass it. Branham, pass it. Branham, pass it. Gimbabu, pass it. Gimbabu, pass it. Mais si vous voyez un lieu, but if you see a place où j'ai payé les prix, where I pay the price, restez là. Remain there. You have to find food for the flock. Maintenant, si l'apôtre Prince c'était pasteur, now if apostle Prince is a pastor, il a son troupeau, he has his flock. N'allez pas dans les brochures, do not go to branches. N'allez pas au mont Mamad, do not go mad at sea. Il y a un seul lieu, there is the only place où Jacob va payer les prix, where Jacob go, où le troupeau trouve les pâturages, so that the flock may find pasture. Voilà pourquoi les frères de Jacob. Reason why the brothers of Jacob, the brothers of Joseph, arrivaient à Sichem, took the flock of the father and went all the way to Shechem. Vous me suivez bien? Are you following? Vous êtes? Are you there? Ils sont arrivés. They arrived. Maintenant Jacob appelle Joseph. Now Jacob calls Joseph. Israël dit à Joseph, ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. And this way said to Joseph, I want your brothers feeding the flock in Shechem. I will send you to them. So he said to him, here I am. C'est-à-dire, quand les fils de Jacob, when the sons of Jacob sont allés avec le troupeau, went with the flock, ils doivent reconnaître que
que ça, ce n'est pas mon troupeau. They have to acknowledge that these are not my flock. Je dis au pasteur qui me suit. I'm saying to pastors following me. Followers do not belong to a man. For you did not die for them. Donc quand Jean prêche ici, when John released preaching, tu dois faire attention. He has to be careful. Si avec maman à la maison on s'est chamaillé, if with maman Ruth at home, je ne viens pas avec ma colère ici parce que ça ce n'est pas mon troupeau mais c'est le troupeau de Dieu. Because this is not my flock, it belongs to someone. David, you know David. Who is he? Where is he? Il est en train de paître le troupeau de son père. He's feeding the flock of his father. Et Moïse a été choisi parce qu'il était pasteur de troupeau d'autrui. And Moses was chosen because he was the pastor of the flock of someone else. Le someone else. Someone else. Tu n'entends pas bon? Je viens avec Dieu. You won't come, you know, I was with God. Moi, je suis le visionnaire. No, I'm the visionary. Dès aujourd'hui. And then from now on. Attention. Be careful. C'est le troupeau. These are someone else. Et Jacob a pourvu. And then Jacob. Un pâturage. Provided a pasture. For which he paid the price. Voilà pourquoi. Therefore, moi je peux être là devant la télé. I can be there before TV post. Je suis un message. And I'm watching. Amen. And when people say amen, ça me donne de la colère. And it gives me anger. Je ne mange pas n'importe quel troupeau. I don't just eat any kind of food. Tous ceux qui se disent évangile éternel ne sont pas de l'évangile éternel. Tous ceux qui se disent assemblée des saints ne sont pas des assemblées des saints. Les assemblées des saints, les pasteurs ne sont pas des pasteurs de troupeau. The pasture do not make themselves pastures. Aujourd'hui, today, today we cannot preach John Winnie. You cannot say in this time. God used to lies. You will go in hell. Because this is idolatry. Le seul lieu, the only place. Aujourd'hui, today, où nous devons venir. Where we need to come. Pour faire perdre les troupeaux. C'est là où tu as payé le prix. Je n'ai pas honte de vous dire que ce lieu-là c'est Jésus-Christ. I'm not ashamed to say that that place is Jesus Christ. Et Jacob précise. And Jacob précise. Your brothers have went there. Et Joseph dit 9 fois. And Joseph said, here I am. 9 fois. Here I am. Il doit dire 9 fois. Why should he say here I am? Il doit aller faire quoi? What must he do? Il doit aller visiter ses frères. He must go visit his brother. And this is God so loved the world. Parce que Jacob savait que ce frère ne l'aimait pas. Because Jacob knew that his brother did not love him. Please follow me here. We're taking some degrees. Suivez-la vraiment, on va monter. Please, we are really going up. C'est comme Jésus-Christ quand il arrive. It's like Jesus when he comes. Il savait qu'il n'y avait pas de fruit. He knew there were no fruit in the tree. Mais il va chercher le fruit. Yet he goes to seek for the fruit. Jacob, comme pasteur, as a pastor, il connaissait la saison. He knew the season, le temps. He knew the time. Il connaissait quand est-ce que tel contrat peut produire la nourriture. He knew at which time this part of the land can produce many. Mais il envoie ses enfants. But when he sent his children to Shechem, il envoie Joseph aussi à Shechem. And then he sent later on Joseph to Shechem. Il ne savait pas que Shechem n'a plus la nourriture. Did he not know that Shechem does not have food still? You are lost. I told you we're going higher. On doit monter. I told you we're going higher. Vous y êtes? Are you there? Ils sont allés où? Where did they go? À Shechem. To Shechem. Joseph aussi est envoyé où? And where was Joseph? To Shechem. Mais il arrive à Shechem. Arriving at Shechem. Il ne trouve pas ses frères. He does not find his brother. Il est arrivé à Shechem. Because his brother went away to Shechem. Il avait plus la nourriture. There were no more food. Prenez le verset 16. We're taking verse 16 of Genesis 37. Verset 15. I mean 15, please. Et descendez. And going down. Un homme le raconta. Now a certain man found him. Comme il errait dans les champs. And then he was wandering in the field. Ceux qui me suivent. Those who are following me. Je vais revenir en France. I'll come back to French. Joseph a promis à Shechem à bandit collier. Joseph arriving at Shechem started to wander. A bandit collier. He started to wander around. Cherche Judas. Looking Judas. Simeon.
Simeon, he was the wandering. Then he found his brother. Now, who is this man? He said, your brother. Alors, il dit, c'est pour dire qu'à Sichem, meaning in Sichem, il n'y a plus la nourriture. There's no more food. Il n'y a plus de pâturage. There's no more pasture. Ils sont allés à Dothan. They went to Dothan. Vont les chercher à Dothan. Go to seek them in Dothan. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. May the Lord add meaning to the reading of His word. Mais Joseph aussi. And Joseph also. 17. Et l'homme dit. And the man said, ils sont partis d'ici. They have departed from here. Car je les ai entendus dire. For I heard them say. Allons à Dothan. Let us go to Dothan. Joseph alla après ce frère. So Joseph went after his brother. Et il les trouva à Dothan. And found them in Dothan. Qu'est-ce qu'il faisait? Verset 16. What was he doing? Verse 16. Joseph répondit. Joseph, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie. Où ils font perdre leur troupeau. So he said, I'm seeking my brothers. Please tell me where they are. He's in the flock. Donc il y a un homme qui est venu chercher ses frères. Meaning there's a man who came to seek his brothers. Jésus-Christ connaissait bien que Jesus Christ knew well Lazare est dans la tombe. Lazarus is in the tomb. Où est-ce que vous l'avez? But he comes and says, where did you lay him? Come on, don't you know where is he? C'est ça Adam. This is Adam. Parce que Dieu connaissait le propre père. Adam, you want to meet Adam. Adam, où est-ce? Adam, where are you? Getting you. Adam, where are you? Wait. Where are you? Where are you? But you know where he is. You know where he is before God. That is Jesus. Adam has to say, yeah, I am. Quand l'homme entre dans le péché, il s'égare. When a man enters sin, he goes away. Dieu ne cherchera pas l'homme dans le péché. Dieu a besoin de chercher l'homme dans la parole. God cannot seek man in sin. He has to seek man in the word. Parce qu'il est le slave de sa parole. Because he is slave of his own word. Si quelqu'un entend la parole, if someone hears the word, il accepte. He accepts. Dieu le voit. God sees him. Oh, Jésus-Christ est venu chercher. And Jesus Christ came to seek his brother. Voilà pourquoi Galilée. Therefore Galilée. Il était là, Galilée. He was named Galilee. Nazareth. In Nazareth. Pourquoi il est là? Why was he wandering? Le Fils de l'homme n'a pas une place. Oh, the Son of Man has no place. Il cherchait. He was seeking. Jusqu'à regarder ce qui est. Until looking at the thing. Il n'y a pas de fruit. There's no fruit. J'explique à Jésus-Christ. I'm explaining to Jesus. Le pâturage. This pasture. N'est plus là. It's no longer here. C'est déplacé. It's moved away. C'était l'adage prophétique parce que Joël nous a dit. It's a prophetical language because Joel said to us. Joël chapitre 1er. Joël nous répond. Joel answers. Verset 17. Verse 17. Joël chapitre 1er, verset 17. Joel chapter 1, verse 17. Descendez jusqu'au 18e. Allons-y. Going down to verse 18. Les semences ont séché sous les mottes. The seashore under the clouds. Les greniers sont vides. Households are shambled. Le magasin sont en ruine car il n'y a point de blé. Grounds are broken down for the grains and withered. Comme les bêtes gémissent. How the animals groan. Les troupeaux de bœufs sont consternés. The herd of the cattle are restless. Parce qu'ils sont sans pâturage. Because they have no pasture. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. Even the flock of the sheep suffer punishment. Suivez-moi. Please follow me. On descend maintenant. Vous êtes? We came down now. On descend. We came down now. La sœur Marie portait Joseph à son bras. Sister Mary was bearing a certain Joseph in qui était envoyé par son père. Who was sent by his father. Pour vérifier l'état de ses frères. To come and check the state of his brothers. Voilà pourquoi Marie. Reason why Mary. N'a pas enfanté Jésus dans la maternité. Did not give birth to. Il y avait le pâturage. But he went to a place where they laid the pasture. In mind, in the manger. Because it was not in vain. Attends, pasteur, mon voisin. No pasteur was there. Paulus, Matthieu, du Camino. All of them went to look for food. Le pâturage en a vite. And they left the place empty. Sœur Marie, il fallait monter et sortir un peu peine. And Sister Mary could. Attends, la pièce va être ma manière. But when on the bench. Maintenant l'ange est allé informer au berger. Now the angel went to inform the shepherds. Take your flocks. Le pâturage est là. The pasture is there. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, today, aujourd'hui, today, Dieu, God, nous
nous a donné la nourriture. Has given us food. C'est là où il y avait la nourriture. Because where there was food. À cause de la désobéissance de l'homme. Because of the disobedience of man. The pasture was not open. Mais je suis Christ. Jesus Christ. La vraie nourriture. He seemed the genuine food. Voilà pourquoi. Reason why. Quand ce frère l'a vendu à l'Égypte. When his brother sold the Egypt. A été béni par la nourriture. Egypt was blessed with food. Parce que c'était la nourriture. Because it was him the food. Anna est resté dans la sécheresse. Jean chapitre 10, we are in the book of John chapter 10. Prenez le verset 9. Taking verse 9. Je suis la porte. I am the door. Si quelqu'un entre par moi, if anyone enters by me, il sera sauvé. He will be saved. Il entrera. He will go in. Il sortira. And come out. Et il trouvera de pâturage. And find pasture. Ça on peut donner de voir à domicile. This we can give an, as an aside. Comment quelqu'un dit je suis la porte? How can someone say I'm the door? Si quelqu'un entre par moi, if someone enters by me, il sera sauvé. He will be saved. Il entrera. He will go. Il sort. He will go out. What does it mean? Donc Jésus-Christ dit, now, Jesus, je suis la porte. I am the door. Dit que toi tu es la porte. Meaning you are the door. Si quelqu'un entre par moi. If someone enters by me. Mais qui mange non? Let him eat. Non, tu dois seulement entrer. You only have to eat. Mais si tu entres. And if you eat, tu es sauvé. You are saved. Et tu sortiras. And come out. Pour trouver le pâturage. To find pasture. Où se trouvait le pâturage? Where was the pasture? In Jesus. Voilà. Reason why. Les anges ont fait ce mouvement. The angel did this movement to Lot. Lot était à l'extérieur. Lot was outside the city. Ils ont fait entrer Lot dans la maison. They brought Lot inside the house. So that he was sauvé. And when he was saved, he saw Lot. And then they bring Lot out. Amen. 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 God bless you. Study. Meaning. Frère Pierre. Brother Peter. Qui était juif. Who was a Jew. Il devait croire au Seigneur Jésus. He had to believe in the Lord Jesus Christ. For him to enter the grace. Il en a sorti. Un autre enseignement. Un autre pâturage qui a voyagé. On est descendu. I believe we came down. On est descendu. We came down. Ça dit en réalité. In reality. Pâturage. Et pasture. Where the flock feeds themselves, that is Sichem. Le lot today, Sichem, that Sichem pâturage, that place of pasture, is called Jesus Christ. Mais David dit ceci. But David says this. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Ça dit dans le pâturage. Meaning the pasture. Quand le berger amène son troupeau. When the shepherd brings his flock. Il le fait reposer. He makes them to rest. To lay down. Pâturage. Meaning the pasture. C'est pas seulement le lieu de la nourriture. It's not only the place of food. C'est le lieu du repos. It's also the place of rest. Autre témoin. Another witness. Cantique de cantique. Song of Songs. Chapitre premier. Chapter 1. Cherchons cantique, cherchons cantique, cherchons cantique. Cherchons cantique de cantique. Chapitre 1, chapter 1, verset 6, verset 7. Dis-moi, amen. Tell me, oh toi que mon cœur aime. Oh you whom I love, où tu fais paître tes ânes. Where you feed your flock, où tu le fais reposer. Where you make his rest at noon. C'est-à-dire, les pâturages ici. The pasture, yeah, I'm insisting. Avec le système, vers pâturage. And here I'm insisting, green pasture. Le prophète avait dit la semaine dernière. Pastor said in 6:29. 63, 73 pour l'hôpital. Vers pâturage. Green pasture. Et ça peut être si ma tête, j'attends même aller à Corinth. It's where the flock is, cannot to fall. Vers pâturage. Green pasture. C'est le lieu du repos. It's the place of rest. Est-ce que c'est la même chose? Et pour le
this any place there is somebody who can know tant de millions de dollars. On parle de millions of dollars. Mais c'est le point. Parce que c'est dans le pâtirage. It's in the pasture. C'est là où on trouve les réponses. That's where you find the rest. Voilà pourquoi Joseph avait dit à ses frères. This is what Joseph said to his brother. Dis à mon père. Say to my brother. Ne regrette rien. Rien. Do not regret anything. Qu'il ne regrette rien. Let him not regret anything. I'm going to feed you. Et quand ce frère arrive, il dit, when this brother comes, he said to them, ask for Goshen, because Goshen partirage was the pasture. Même moi, aller à la partirage, j'ai fait. Et flock feed itself in the green pasture is not any kind in the flock. Tu peux passer dehors de la chaîne. You can come to the chaîne. And you are rich. And they are looking at you. Comme un chanteur est arrivé dans l'île de nos églises. As a singer came to one of our churches. Alléluia. Alléluia. Chanteur, man. Oh, I say, man. Ça, c'est quelle église? And he's asking, what the man is fighting for to quoi? No, they don't eat any kind of food. Si on voit quelqu'un qui était ici. If we see someone living here. On te voit quand il passe derrière. No, we don't see you today. These days, why? Je suis allé à l'église catholique parce que j'étais né là-bas. Oh, I went there at the church. Est-ce que tout le monde me comprend? Oui, c'est-à-dire dans le pâturage, in the pasture, il y a le repos. There is rest. Mais comment entrer là? Parce que c'est how to intervene, because Jesus is saying, celui qui a proclamé le repos. The one who proclaimed the rest. Mais comment entrer là? But how to intervene? Comment expérimenter le repos? How to experience or to experiment the rest? Hébreux 4. On s'arrête là-bas pour commencer la prière. We need to stop there. Stop praying. Hébreux chapitre 4. We are in the book of Hebrews chapter 4. Hébreux chapitre 4. We are in the book of Hebrews chapter 4. On va aller dans le verset 2. Reading verse 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Oh, in this, no, commencez par le premier verset. Starting from verse 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ah, therefore, since the promise remains of entering his rest. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Let us be at least any of you seems to have come short of it. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. For the word which they heard did not profit them. Parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Not being mixed with faith in those who heard it. Pour nous qui avons cru. Nous entrons dans le repos. For we who have believed, we do enter that rest. Je veux qu'elle s'y ajoute une explication. I want the Lord to add this to the meaning. Vous êtes Are you tired? Quand on croit, when we believe, on entre dans le repos. We enter rest. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus Christ is Lord. Je dois exercer la foi pour entrer dans le repos. I have to exercise faith to enter. J'arrive chez le médecin. I arrive at the doctor. Il me dit tout est fini. And the physician is saying to me everything is finished. Je regarde ce chef. I turn my eyes to the chef and I say I believe. Je donne l'exemple de frère Abel. I give the example of brother Abel. J'arrive chez le médecin. They went to the doctor. Mais les données ont changé. But they ont crié. And even the doctors found it. When you believe, you need time to rest. Because the price has been already paid. The frère René. I give the example of brother René. Le médecin a dit ça. And he said, no, the doctor said this. Pour maman Mervé. For my mom Mervé. Je dis va. I say go. Mervé a dit non. No, there goes everything. When you believe, you need time to rest. Je veux entrer dans les repos, non, je vais mériter de passer Jacob à payer le prix. I'm going to enter into rest not because I deserved it, but because Jacob paid the price. Je vous dis des choses aux frères. And I'm telling you the truth. Beaucoup de gens se tourmentent encore. Many people still in trouble. Travaillent encore.
the secrets to enter rest. Je crois. I believe. Therefore, I enter into rest. Je ne raisonne pas. I don't think. Mon geste ne vit pas par les raisonnements. My task will not live by thinking. Quelque chose devient difficile, ça veut dire absolument rien. When things become difficult, that says nothing. Je crois. I believe. I enter into rest. Do you all understand? Il n'y a rien. There is nothing que nous pouvons faire aujourd'hui. That we can do today. À part ce que Jacob a fait. Besides what Jacob did. Lui a payé le prix. He paid the price. That's it. Moi, c'est seulement le problème de quoi aller dans le. It's simply about believing on my side and enter. La chair. The flesh. Les émotions charnelles. The fleshly emotions. Peuvent m'empêcher. Can prevent me. Mais mes yeux sont tournés sur l'œuvre qui a été faite. But my eyes are turned toward the work that has been accomplished. Que le diable refuse ou pas. Là, whether the devil wants it or not, he has said the truth. If Jesus wants to deliver, il dira comme il avait donné l'ordre. He is going to say as he gave the order. Détachez la main. Set free the donkey. Si le maître demande. And if the master asks for it. Why are you setting it free? Il savait qu'il peut y avoir la résistance. He knew there could be resistance. Le maître en avait. The master is needed. Le Seigneur en avait. The Lord is needed. Le démon refuse ou pas. When the demons want it, the Lord. Les circonstances deviennent difficiles ou pas. The circumstances become difficult. Si je crois, if I believe, I will enter into rest. Amen. Les gens que nous lisons dans la Bible n'étaient pas des hommes extraordinaires. People that we are reading in the Bible are not extraordinary men. Jacques dit que lui était un homme de la même nature. Amen. Because James says that Elijah was a man of the same nature. Mais il a dit, il dit, je veux qu'aujourd'hui tu changes ta façon de vivre. Today I want you to change your way of living. To understand God. Il attend seulement que tu puisses croire en Dieu. God expects you to believe and to enter. Ne cherche pas. Do not seek. Je vais entrer comment? How am I going to enter? Le pâturage. The pasture. C'est la nourriture. Is the food. C'est aussi le repos. It's also the resting place. Dieu ne peut pas envoyer la parole. Get God cannot send the word. Le comme ça. Jamais. And leave us like his neighbor. Joseph était clair. Joseph was clear. Il a dit, achetez Simeon. He said no. Change Simeon. Mettez Simeon dans la maison. And put him in chair. Vous ne verrez pas ma face. You're not going to see my face. Si Benjamin est venu. If Benjamin does not come. Quand Benjamin est arrivé. When Benjamin comes. Joseph a dit, faites sortir. Joseph said, no, bring him out. C'est-à-dire que l'évangile. Meaning the gospel. C'est la bonne nouvelle. It's the good news. Mais aussi les prisonniers. But also to set free the prisoners. Et quand le frère Joseph est venu. And when the Joseph came. Le Seigneur du Seigneur est venu. The spirit of the Lord is upon him. He has anointed Benjamin la bonne nouvelle. To proclaim the good news. And libre les prisonniers. And he set free the prisoners. C'est ça l'évangile. J'aime prêcher l'évangile de Jésus-Christ. I want to preach the gospel of Jesus, not la philosophie de ce monde. Not the philosophy of this world. On coule, we believe, or not, and we enter. Quelles que soient les poursuites de Laban, ça veut dire absolument rien. No matter the pursuing of Laban, that says nothing to me. Le diable va me montrer mes échecs. The devil will show me my failures. Mes difficultés. My difficulties. Je dirai au diable oui. I will say to the devil yes. Mais je comprends. But I understood. Que pour qu'Abraham soit juste. For Abraham to be righteous. Il a crié. He believed. Il est devenu juste. And it was accomplished for him. Righteousness. Et je deviens juste. And I become righteous. Pourquoi? Why? 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Asseyez-vous, papa. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world, our faith. La foi, c'est pas l'absence des échecs. Faith is not the absence of failure. La foi, ce n'est pas l'absence de résistance. Faith is not the absence of resistance. Tu auras de résistance pour que Dieu prouve ta foi. You have to encounter resistance for God to prove your faith. Mais tu dois seulement croire. Tu t'arrêtes. You simply have to believe and you stop there. Tu peux mourir malade, mais tu crois que Jésus-Christ guérit les malades. You can die with a sickness, yet believing that Jesus heals the sick. Je suis venu vous dire ce matin. I came to say to you this morning. Il y a un pâturage ici. There is a pasture here. L'enseignement. The teaching. Et dans cet enseignement. And in this teaching, il y a le repos de ton âme. There is also rest for your soul. Tout ce que vous avez besoin. In everything that you are in need of. Is found in the world. C'est pas pour rien dans le pâturage. It's not in vain that in the pasture. You found the rest. Il a mis tout dans la parole. God has laid everything in the repos de ton âme.
word. Beaucoup de gens prient mais qui n'entrent pas dans les rêves. Many people pray but do not enter the rest. You know why? Ils raisonnent beaucoup. They think a lot. J'ai maintenant 50. No, I'm now 50 years old. Je reste combien? And how many years mon remains for my life? No, my father dies at the age of 53. Qui me reste and I'm 50, so which means it's only 3 years. De dormir, la peine aussi, before that sleeping now is a faith. Ça, c'est pas le point today. That's not having faith. On peut aller le bon. It's time to rest. La mort me gagne. Death is the gain to me. Si je meurs, je verrai le Seigneur. If I die, I'll see the Lord. Comment mes enfants vont vivre? Je how my children will die? I'm not the creator of my children. Je fais tout. I'm doing everything. Je m'arrête. If I stop, Dieu s'en occupe. God will take care. Il aussi le Dieu des enfants. He's also the God of the orphans. Je m'arrête. Je ne fais pas de préoccupations. I will be there. Comme si je ne suis pas dans le repos. Je suis dans le repos. I'm having the rest. Je fais ce que je peux faire. I do what I can. Je laisse à Dieu de faire ce que lui peut faire. Quelqu'un qui se repose, someone who's resting, c'est pas un homme qui vit dans des réflexions. It's not someone who's living in reflections. Afrique, ici, je ne sais pas. Now, South Africa, no, I don't. On m'a donné ce jour de 3 mois. They gave me only 3 months. L'autre là, c'est statut. And the other c'est pas mon problème. That's not my problem. Le pâturage, je me connais. Ma, the pasture knows me. Et le repos qui me donne. And the rest is c'est pas celui qui donnera à nous. It's not the rest. Chacun de nous a sa part. Each one has his share. Est-ce que vous entendez ce message? Do you understand? Vous comprenez ce message? Do you understand? Je peux pas aider mon frère, ma soeur. I cannot help my brother or sister. Il a réussi gloire au Seigneur. He succeeded. Glory to God. Son repos. That is his rest. Je m'en parle. I am not approaching. Je ne pose pas de questions. I'm not going to ask myself questions. Ça viendra comment? How will it come? Je ne sais pas. Mais je sais. All I know. Je fais confiance. This I trust. J'entre dans les repos. I need time to rest. Tu peux te reposer? Can you rest? Même si les choses ne marchent pas. Although things aren't working. Oui, parce que si je fais là. Because she can be there. Je voulais terminer le verset de Dieu. I wanted to stop but the verse came into my mind. Come on. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, 23. Allez-y, allez-y. 7, 23. 1 Corinthiens 3. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. You were bought at a price. Do not become slaves of men. Moi, si elle n'est pas la haine, qu'elle va s'ouvrir. A married woman knows that I've been bought. Que les choses deviennent difficiles ou passer mon mari. Whether things become difficult or not, to get my husband. Passer dans la maison. Because in the house, il y a aussi des temps difficiles. There are also difficult times. Tu peux passer devant moi avec amen. You can go in front of me with a amen. With a, I don't know which. L'homme, c'est mon mari. You know the man. The man is the one who bought me. I stopped there. Même si tu es qui. Although whoever you can be. You know the man. L'homme, c'est mon mari. The man is my husband. Oh, the new age. Oh no, in the new age. Si tu crois là-bas. If you believe it. You become a millionaire. Non, à part cet homme ici. Besides this man, il y a pas un autre homme. There is no other man for you. Non, vous dites à cet âge de la terre. No, in this time of the age. La foi est tout seul à Jésus. You know, our last name is Jesus. It's not about words. Ça dit que dans la bouche comme ça, je peux dire son nom avant la terre, mais la montée, mais dans le bas bon côté. You know, I can with my mouth on myself. Is this God really seeing me? But in my heart, there's no God that can see. Mais dans le cœur, je dirais tu es un roi. Tu fais tout. Dans ma bouche, je fais tout. Mais comment ma vie? Mais dans le cœur, je dirais tu es un roi. Personne n'est comme toi. Ça dit ma vie de Jésus. C'est au-delà de mots, au-delà de phrases. Il y a des fois, je n'ai pas besoin de comprendre, mais je crois. Parce que c'est qu'il a fait pour moi de pas tout ce que l'on peut faire. What he has done for me is beyond what man can do for me. Voilà pourquoi ça qu'on dit. Reason why God says. Vous avez été racheté. You were bought at a price. At a great price. Salomon a donné 1000 taureaux, mais ça ne correspondait pas au sang de Christ. Salomon gave 1,000 bulls, but that does not correspond to the blood of Jesus. Pour voyager jusqu'à la lune, to travel until the moon, on demande des millions de millions. It's about millions of US dollars. Moi, je vais dépasser la lune. But I will go beyond the moon. Je vais dans un lieu. I will go to a place. Où
NASA ne peut pas comprendre. When NASA cannot explore, je serai là. And I'll be there devant Jésus. Before Jesus. Not une semaine. Not a week. Ni une année. Not a year. Deux, trois, quatre, one, seven, two, three, four, five. Les anges vont me servir. Je ne suis pas le ton petit. I'm not any kind of person. Je peux marcher à pied. Mais je ne suis pas le ton petit. Tu n'es pas le ton petit. I have witnessed a pastor who does not even have a passport. Not even having a passport. Never thought of having a passport. But someone comes and cuts him there. I said, what do you do? No, today he is in London. What does not mean as human? Can you believe that? L'appel peut venir, si le doute peut être là, mais je crois parce que tu es actif et je m'arrête là. C'est aujourd'hui que je sortirai avec le plein assurance. I'll with the full assurance. Déjà le diable. The devil will come. Tu as maintenant 48 ans. Non, you are 48 years. Je dirais diable. J'ai été racheté. I was redeemed. Both at a very price. Si tu entends le bruit de découragement, if you hear noise of discouragement, save the devil. Daniel, ça veut dire absolument rien. You know, the only thing is nothing to me. Because a man paid the price for me. Tu peux avoir cette affronter les échecs. Go and face. Affronter les difficultés. C'est pas le temps que vous passez à l'église. It's not the time that you are spending in trials. La manière que vous traversez. But the manner in which you are going through trials. Le même qui patient. He is the man who qui has patience. Patiemment. Who endures the patience. Not a célibataire masturbateur. Not a single man who masturbates. Je suis célibataire. Je crée que je n'ai pas de faire un masturbateur. Non, ma fille, I'm not thinking about masturbating. No. Non, un célibataire. Non, un célibataire. Non, watching porn movies. No. Je peux faire ça. Non, je fais la masturbation. 20 years masturbating. Et l'homme qui supporte patient. He be the one who wants you a patient. Je vous dis que dans le ciel, il y a un Dieu qui paie. Il y a un Dieu qui récompense. C'est lui qui fait la sanctification. Avant que les épreuves viennent, before trials come, Dieu va pourvoir. God will provide. Et tu diras que c'est Dieu. And you say that God knows me. Tu crois? Do you believe? And you interpret. Tu crois pas? You don't believe. You rest outside the room. You remain outside the rest. Ce matin, but this morning, je vous ai amené un message de la foi. I brought you a message of faith pour vous pousser. To push you. So in time to rest. Vous le aussi? Do you want it? Le diable attaque la foi. The devil comes against our faith. Mais je crois que ce message. But I believe this message va vous épargner. Will spare you. Devant les attaques. Before the attacks of the enemy. Qui croit? Who believe que Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui? That God can do something today. Tu crois? Tu peux comprendre? Lève-toi. Please stand on your feet. Tu vas commencer à remercier le Seigneur.